Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV. Voici le sommaire. Le règlement des arriérés de dette du gouvernement vis-à-vis de la SONEB a été évoqué en Conseil des ministres ce mercredi. La fièvre hémorragique laissa de nouveau au Bénin le docteur Alapini en donne les symptômes et les mesures de prévention. Les écureuils d'âmes ont bouclé leur préparation pour le tournoi de l'UFOA par une troisième victoire. Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres de ce mercredi a statué sur le règlement des arriérés de dette de l'État vis-à-vis de la SONEB. Il en ressort au 31 décembre 2016 les créances de la SONEB sur l'État qui s'élèvent à plus de 11,7 milliards de francs. Et en la même période, les créances de la SBE qui sont estimées à plus de 6,6 milliards de francs CFA. On écoute le ministre Tchogwenou qui dévoile les dispositions prises par le gouvernement pour l'épuration de ces dettes accumulées. Au 31 décembre 2016, les créances de la SONEB sur l'État s'élevaient à la somme de 11 724 millions 741 647 francs CFA. À la même période, les créances de la Société béninoise d'énergie électrique sur la SONEB étaient de 6 626 239 791 francs CFA. La réconciliation des comptes a permis de dégager un solde qui a fait l'objet d'une cession de créances de la SONEB sur l'État à la SBEE. Dès lors, le solde restant à éponger par l'État après la prise en compte des dettes de la SONEB vis-à-vis de la SBEE au 31 décembre 2016 est de 5 098 501 856 francs CFA. De ce montant, le gouvernement a respectivement apuré les 8 et 26 décembre 2017 4 milliards de francs CFA et 758 195 398 francs CFA. À ce jour, le solde du montant consolidé des créances de la SONEB sur l'État arrêté au 31 décembre 2016, est de 340 306 458 francs CFA. En apurant ces dettes accumulées depuis de longues années, le gouvernement entend renforcer les capacités financières de la société afin de restaurer sa crédibilité et de lui permettre de mobiliser des ressources nécessaires à l'exécution de ses programmes d'investissement. Ce faisant, elle contribuera à l'atteinte, par notre pays, avant l'échéance en 2030, de l'objectif d'accès universel à l'eau potable pour tous, découlant des objectifs du développement durable. Le Conseil a marqué son accord pour ce compte rendu du ministre de l'Eau et des Mines, et l'a instruit à l'effet de veiller à la bonne exécution du programme d'investissement de la SONEB. Toujours lors du dernier conclave gouvernemental hebdomadaire, le gouvernement a donné son accord pour autorisation de préfinancement pour l'identification des bénéficiaires pauvres, extrêmes et non extrêmes des programmes sociaux de renforcement du capital humain. Suivons encore une fois le ministre Joseph Tchogwenou. La mise en œuvre des programmes sociaux de renforcement du capital humain initiés par le gouvernement nécessitent que soient identifiés les bénéficiaires potentiels. Il s'agit notamment des pauvres extrêmes et non extrêmes dont la base de données doit être actualisée ou constituée. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a approuvé cette communication du ministre des Affaires sociales et de la microfinance et du ministre de la Santé
puis instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition la somme de 649 902 113 francs CFA en vue de procéder à cette identification. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience au Palais de la Marina ce mercredi une délégation de l'Église catholique du Bénin. Les échanges ont porté, entre autres, sur des sujets relatifs à l'actualité nationale. Laquelle délégation de la conférence épiscopale conduite par son président Monseigneur Victor Agbanou est composée de 6 évêques et de 2 prêtres. Occasion pour le prélat de formuler au nom de la conférence les vœux de bonne et sainte année 2018 au président de la République. Abordant les sujets relatifs à la situation sociale, les évêques ont dit qu'ils sont sensibles à la fronde sociale qui paralyse certains secteurs de la vie nationale. Ils se réjouissent du dialogue social renoué. Au sujet de la corruption, les évêques souhaitent que la lutte contre ce fléau se poursuive et soit inclusive. Depuis quelque temps, la fièvre hémorragique Lassa est de nouveau au Bénin et fait de ravages dans certaines localités du pays. Quels en sont les symptômes et comment prévenir contre cette maladie mortelle? À ce sujet, le docteur Alapini, médecin généraliste, nous donne des précisions. La fièvre de Lassa, c'est une maladie hémorragique virale à caractère aigu d'une durée d'une à quatre semaines qui sévit actuellement en Afrique occidentale. Généralement, les personnes souffrant de la maladie de la fièvre Lassa présentent différents symptômes qui varient selon l'état, c'est-à-dire l'évolution de la maladie. Mais généralement, on va retenir que les symptômes sont tels que sont comme les maux de tête, les courbatures, les vomissements, les nausées d'abord, les vomissements qui peuvent être parfois sanglants, les diarrhées qui peuvent également être sanglantes. Il y a également les douleurs abdominales et parfois des maux de gorge. On peut assister à des œdèmes de la gorge, voire un œdème du visage. Et sans oublier la fièvre qui est capitale, c'est une fièvre, vraiment la fièvre, c'est le premier symptôme même. Les modes de contamination, je vais les regrouper en deux sortes. Il y a d'abord la contamination interhumaine, c'est-à-dire d'une personne infectée à une personne non infectée. Maintenant, il y a la contamination indirecte, c'est-à-dire lorsqu'il y a un contact avec le réservoir du virus, c'est-à-dire le rat multimammaire, ou soit un contact avec les aliments contaminés, ou soit les objets contaminés par les sécrétions ou les matières fécales de ce rat multimammaire. Essentiellement, voilà les deux modes de transmission. C'est une maladie guérissable. Contrairement à la maladie, la fièvre Ebola, le traitement est disponible, le traitement existe. Et il s'agit d'une molécule, la ribavirine, lorsqu'elle est administrée tôt, permet d'avoir de bons résultats, c'est-à-dire ça optimise les chances de guérison rapide. Donc, ce n'est pas une maladie incurable, ça peut se guérir à condition que la personne soit traitée à temps. Les précautions, d'abord, c'est de sensibiliser, hein, parce que lorsqu'on n'est pas informé, on peut tomber, on peut facilement être victime de la maladie hémorragique. Et là, les grandes précautions, d'abord, c'est l'hygiène de la main, se laver régulièrement les mains. Et ensuite, protéger les aliments. C'est important parce que lorsque ces aliments sont contaminés par les urines de rats ou les matières fécales de rats, voilà, on est susceptible d'avoir cette maladie. Donc, bien protéger les aliments, bien les cuire, c'est très important. Et il faut de la propreté dans les maisons, si possible, éviter l'intrusion des rats multimammaires.
À Placogi se trouve un jeune artiste peintre qui peint les murs de son quartier. Une équipe de ZAETV est allée à sa découverte. Suivez plutôt. Ici à l'entrée des jeunes du quartier Placogi et en certains autres lieux de rassemblement sont remarqués des graffitis. Ils portent pour la plupart le nom de cet homme. Âgé de la trentenaire et peu bavard, Zico est peintre. Oui, comme auparavant, arrivé là-bas, vous le voyez, le français Colomb et le Saint-André, le père Saint-André. Donc, les Français sont les premiers hommes à atterrir dans nos plages. Et c'est le Saint-André qui les a accueillis. Père Saint-André, Messa Avana André. Le voilà. Et ici, comme vous le voyez aussi, ce sont les barques sur la mer. Voilà, capitaine Colomb. Et ces individus, les premiers hommes venus à Placogi, accueillis par le Saint-André. En voyant ses œuvres, son père se rappelle de l'enfance de son petit Zico. Sans Soukoul Beli, Kebeli Soukoula, bon, dessin pour Bédéna. Tessin pour Bédéna, kaka. Ah. Et Bédéka, il n'a pas grombé. Et vient à Tessin pour Bédéna. Zico est mon enfant. Il ne fait que dessiner. Quand il allait à l'école, il ne faisait que ça, malgré les plaintes et même les punitions de son maître d'école. Un jour, sa mère, exaspérée par les plaintes de son maître, a fini par l'inscrire pour une formation auprès d'un dessinateur. Peu de temps après son inscription, un client était venu faire une commande en l'absence de son patron. Olé don haka beto desan dede et sous patron yo bon beli desan haka beli desan kinkin. Il avait bravé ce jour l'opposition des apprentis les plus anciens de l'atelier pour exécuter la commande avec succès. Yambe ya wè don yowè que wè patron va. Son patron à son retour était stupéfait de la manière dont il avait réussi ce dessin. Depuis, il fait ce main. Dans le dessin, il peint les murs de notre quartier. Et je regarde ça, c'est vrai que je ne comprends pas toujours le message. Confié dans toi. Même dessin que tu as fait dans toi, tu as fait dans toi. Et tu as dans toi. Avec ses amis, il envisage porter son art très haut. La cinquième édition du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, s'est tenue du 13 janvier au 14 février au Maroc. L'opposition entre les 16 meilleures équipes locales d'Afrique a proposé beaucoup de spectacles. Voici donc un résumé de cette compétition africaine. CHAN Maroc 2018, 16 équipes, 32 matchs, 4 stades et 58 buts. La cinquième édition de la compétition africaine réservée aux joueurs locaux s'est tenue du 13 janvier au 4 février 2018. Initialement accordée au Kenya, l'organisation du championnat d'Afrique des Nations a été par la suite confiée au Maroc pour des raisons d'installation. L'organisation de la Confédération africaine de football, les stades, l'affluence, tout ceci est bien, mais ce qui intéresse, c'est justement la vérité du rectangle vert. Le match d'ouverture au le Maroc, pays hôte à la Mauritanie. Une rencontre soldée par la victoire sans appel 4-0 des locaux. Dans la poule A, les Marocains et les Soudanais se qualifient pour les phases finales avec au compteur 7 points en 3 matchs. Même point également pour la Zambie et la Namibie dans le groupe B. Les deux favoris du groupe C, le Nigeria et la Libye, ont tenu leur rang en validant leur ticket qualificatif. Enfin, le Congo et l'Angola ont rejoint la liste des qualifiés pour le compte du groupe D. Lors des phases finales, le
Maroc, la Libye, le Soudan et le Nigeria sont au rendez-vous des demi-finales en éliminant respectivement la Namibie, le Congo-Brazza, la Zambie et l'Angola. Pour le compte du dernier carré, l'affrontement 100% maghrébien entre le Maroc et la Libye a tourné à l'avantage des Lions de l'Atlas avec une victoire 3-1. L'autre match entre le Soudan et le Nigeria a vu les Super Eagles nigériens l'emporter 1-0. Avant la finale, le match pour la troisième place a montré la dynamique du Soudan qui, malgré son élimination face au Nigeria, s'adjuge la troisième place de la compétition au détriment de la Libye après les tirs au but. L'événement le plus important et scruté de par le monde était la finale entre le Maroc et le Nigeria, mais au coup de sifflet final, le Maroc à domicile s'est baladé 4-0. Une première dans l'histoire où une finale africaine s'achève avec une différence de 4. Avec cette victoire, les Marocains confirment leur retour au firmament du football africain. Un sacre de tous les records pour le Maroc, meilleure attaque du tournoi, mais qui compte dans ses rangs également le meilleur joueur de la finale en la personne de Zakari Adraf, mais aussi le meilleur buteur d'un championnat africain en la personne d'Ayoub El Kazi, auteur de 9 en 6 matchs lors de la compétition. En dominant le New Potential Academic Football Club of Ibadan hier, les Écureuils d'âme ont enregistré leur 3e victoire en 3 matchs de préparation. Ainsi s'achèvent les 4 semaines de mise au vert dans le cadre de leur participation au tournoi de l'UFOA qui s'ouvre à Abidjan le 14 février prochain. Au regard de la prestation, l'équipe pourra-t-elle représenter valablement le Bénin à la Coupe de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines de football d'âme à Abidjan à compter du 14 février prochain? Suivez la réponse du président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Anjorimou Charaf. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe en face n'était pas assez forte. Mais j'ai vu le principe élémentaire d'une équipe homogène, la balle qui circule, de très beaux gestes techniques et de très beaux buts. C'est déjà suffisant pour que nous puissions prendre le risque, pourquoi pas, de les évaluer à un niveau très élevé pour en faire un nouveau départ. Là, on saura que l'équipe a été mise en place en 2017, décembre. Le tournoi de l'UFOA nous permettra de savoir le départ. Et l'année prochaine, 2018, nous allons évaluer pour voir la marge de progression et ainsi de suite. Vous savez, c'est pareil, dans le cas de terroir, l'enfant apprend à grandir tout en faisant des exercices d'application et des contrôles de droit. Voilà comment on fait un enfant. Ces filles ne veulent pas commencer et il faut leur faire confiance parce qu'ils ne commencent pas à jouer un jour. Le Nigeria, le Ghana, le Sénégal sont des équipes de jeu. Tout ça aujourd'hui on joue, et dans 15 ans ils sont là et nous attendent qu'il faudra réaller au baptême des feux un jour. Et je crois qu'on pourra venir motiver ces filles pour prendre le risque d'aller là-bas. De ce nombre de défis, je crois qu'on ne veut pas décevoir. Et ainsi, vous avez un certain qui participe vraiment comme des hommes au développement du football dans notre pays. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.